Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu vas élever la voix. Mais on a dit que tu vas dire shalom à ton frère. Tu vas dire shalom à ta soeur. Tu vas dire bienvenue dans la maison du Seigneur. Alors, Maotongwe. Shalom mon frère, shalom ma soeur, que le Seigneur te bénisse, que sa grâce infinie abonde dans ta vie. Shalom. Oh, shalom, ma sœur, que le Seigneur te bénisse, que sa grâce infinie abonde dans ta vie. Amen. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur, il est roi, il est vraiment. Oh, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il est roi, il est vraiment roi. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il est roi, il est vraiment roi. Alléluia, son royaume est sur son épaule. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, il est le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Alléluia. Son royaume est sur son épaule. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, il est le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il est roi, il est vraiment roi. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il est roi, il est vraiment roi. Alléluia. Son royaume est sur son épaule. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, il est le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Alléluia. Son royaume est sur son épaule. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, il est le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône. Et à l'agneau pour toujours, toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône. Et
à l'agneau pour toujours. Alléluia, nous, oh, magnifions-nous. Jésus est le roi sans nom, il est le roi des rois. Il est comparable à lui, alléluia, magnifions-le. Élevons son nom, il est le roi des rois, louons-le, magnifions-le. Il est comparable à lui, toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône. Et à l'agneau pour toujours. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône. Et à l'agneau pour toujours. Alléluia, louons-le. Élevons son nom. Chauffez. Le roi des rois, louons-le. Magnifions-le. Il est comparable à lui. Magnifions-le, élevons son nom, il est le roi des rois, louons-le, magnifions-le, il est comparable à lui. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu vas maintenant prier. Alléluia. Tu vas prier. Là, ce soit dit que toute la gloire soit à Jésus-Christ. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône. Alléluia. Mais nous savons aussi que nous sommes la gloire de Jésus-Christ. Il n'a pas du mal à mourir sur la croix pour nous. Amen. Mais ce que nous voyons, c'est quoi? Les esprits qui se lèvent et prennent des décrets contre nous. Et ils décident de nous arrêter. Amen. Maintenant, tu vas prier. Et tu vas prier sérieusement. Et tu vas prendre autorité sur n'importe quel esprit. Tu vas prendre un esprit de décret sur toi. Disant que tu n'iras pas au ciel. Tu ne verras pas la gloire de Jésus-Christ. Que ce décret maintenant soit déchiré. Prie. Pour tes soucis, quand même. Rodé. Jésus-Christ, je l'ai dit à mon prier. Pour tes soucis, quand même, Rodé. Amen. Amen. Bien-aimé. Mais moi, non. Qui connaît l'histoire de Judas Iscariot dans la Bible? Maintenant, autant, Judas, ton nom, Bible lui-même. Judas Iscariot. Judas. L'un des 12 disciples de Jésus-Christ. Et non, apôtre de Jésus-Christ, Yahweh le même. Comment il a fini? Qui peut dire ça très rapidement? Maintenant, donc, bon, non, il faut. Volontaire. Judas Iscariot. Judas Iscariot. Qui peut nous dire ça rapidement? Non, il faut, présente ton nom. Il sait. Très bien. Et donc, quand on est. Judas Iscariot s'est pendu. Et donc, quand on est. Amen. Amen. Regardons un peu. La Bible dit que Judas était parmi il était un voleur. Et donc Judas au milieu des disciples de Jésus-Christ. Et donc le Jésus-Christ là tout quand tu vois là tout. Et bien que Judas connaissait la vérité. Et que Judas connaissait la sainte doctrine. Et n'importe de quoi il a grandi. Il s'est laissé à la tentation. Et son Dieu le donna. Le diable a eu victoire sur lui. Satan il nous dit. Oh la même Bible dit. Mais comment on le connaît bien? Dans le 19. Il nous a donné l'autorité. Il n'a mis à te de marcher sur les esprits. Mais maintenant ils ont dit. Rien ne pourra nous nuire. Mais nous demain grand soir t'as mis au voilà que l'esprit de vol. Où on y est Bouba a réussi à capturer Judas. Et peu gobe. Et nous savons ça. Bouba. L'esprit de choses là. De suicide. Bouba mais nous on a encore fini avec lui. Et ça va faire. Alléluia. Amen. Bien aimé. Mais bon, hein? Tant que nous sommes sur terre, si nous ne combattons pas sérieusement le diable, nous risquons d'avoir aussi une vie comme Judas. Alléluia. Amen. Mais qui veut finir comme Judas? Mais durant faux pas de Judas. Qui veut finir comme Judas? Mais durant faux pas de Judas. Qui veut finir comme Judas? Mais durant faux pas de Judas.
prendre autorité. Et tu vas prendre ces requêtes-là au sérieux. Tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur que tout esprit qui a de contrôle sur ta vie, tout l'esprit dans les lieux spirituels qui stand ta vie, tout te fait tomber. Il y a des dossiers d'accusation contre toi. Tu dois foudroyer maintenant. Le bonheur de l'éternel le foudroie maintenant. Prie ainsi maintenant dans le nom de Jésus. Prie avec Jésus. Prie. Il faut prier. Dis au Seigneur, je ne veux pas être comme Judas Iscariote. Je ne veux pas finir comme Judas Iscariote. Seigneur, sauve-moi. Je ne veux pas finir comme Judas Iscariote. Je ne veux pas être comme Judas Iscariote. Prie. Ne t'arrive pas avec ça. C'est ta vie de Dieu. Okuno Jesu, majuna tayari. Nise no Judas dan. Majuna zang bazan che tayari wo. Judas do jure do ba bubo atotan. Bazan yon leton wadu do di. Et quand alors, mille ans, ils ont dit, mon Satan, ils ont dit, mille ans, ils ont dit, mon Boubamaou l'a dit, à mon Boubamaou l'a dit, Jésus-Christ, il m'a dit, il faut qu'on le joue là. Et nous, tout au coup, on voit mes gants. On voit encore le feu, on voit encore le feu. On voit mes gants, on voit encore le feu sur les esprits. Non, au moins, toi. On voit encore le feu. Non, l'homme, il dit, il dit, là, au moins, il dit, tu vas maintenant descendre. Au moins, il dit, il dit. Au moins, Jésus-Christ, il dit, il faut qu'on le joue. Yo bo mo de jona ma fo ta di juda don bo be tan te fi fo na wala zo la aya jena satani un ko de jesu si ko mere mi to ni jetero eji o mi to ni fi aye jesu kristi o mi to to so nomen ni jetero bo mo we ni leji o kan ni bo to be tan te ji ni dote au nom de jesu kristi da bo jesu si ko mere mo dete alleluia ami amen ami. Parce que nous lisons le psaume 91. La Bible nous dit qu'il leur donnera à ses anges de te porter le peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Amen. Amen. Le Seigneur nous donne des anges pour veiller sur nous tout le temps. De la même manière, étant donné que le diable est copieux, il envoie des démons sur notre vie. Nous surveiller tout le temps. Nous nous observer à chaque fois. Alléluia. Amen. Peut-être maintenant pour toi c'est trois démons. Peut-être pour l'autre maintenant c'est 10 démons. Alléluia. Seul Dieu sait. Mais une chose est sûre, aujourd'hui, le Seigneur nous donne la possibilité de renverser ces trônes. Le Seigneur nous donne la possibilité de renverser le trône. Alors tu vas prier ce soir et tu vas demander de la façon dont les anges ont réclamé le souffle, le feu sur Sodome et sur Gomorrhe. Tu vas faire ça. Tu vas demander maintenant le feu le de Dieu pour maintenant descendre et consume les démons qui vont t'accompagner jusqu'en ce lieu. Les esprits qui se sont cachés qui t'attendent quelque part, tu vas réclamer le feu maintenant et tout feu maintenant les détruise. Prie ainsi dans le nom de Jésus. Au mieux de Jésus-Christ,
Il est le feu, Jésus est le feu. Jésus Christ, il est le feu. Il est le feu, qui détruit les œuvres. Il est le feu, il est le feu, qui détruit les œuvres du diable. Il est le feu, il est le feu. Jésus est le feu. Jésus Christ, il est le feu. Il est le feu, il est le feu. Jésus Christ, il est le feu. Jésus Christ, il est le feu. Il est le feu, Jésus est le feu, il est le feu qui détruit les œuvres du diable. Il est le feu, Jésus est le feu, il est le feu qui détruit les œuvres du diable. Alléluia, ami, bien aimé, je ne te vois pas encore sur le feu. Je ne te vois pas encore dans le feu. Amen. Amen. Quel soldat va à la guerre? Il est le feu qui détruit les œuvres. Il est le feu, il est le feu. Jésus est le feu. Il est le feu qui détruit les œuvres. Il est le feu, il est le feu. Jésus est le feu. Il est le feu qui détruit les œuvres. Tout ce que Jésus n'a pas planté sera détruit. Amen. Tout ce que Jésus n'a pas planté sera détruit. Amen. Tout ce que Jésus n'a pas planté sera détruit. Amen. Tout ce que Jésus n'a pas planté sera détruit. Amen. 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 Il est le feu, Jésus est le feu. Il est le feu qui détruit les œuvres du diable. Il est le feu, Jésus est le feu. Il est le feu qui détruit les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu vas prier maintenant. Tu vas dire alors, tout ce que l'ennemi a semé dans ta vie. Nous contrôle pendant que des choses pour te faire tomber. L'ennemi a eu l'occasion de semer dans la vie de Judas. Et mon témoin, il a semé le vol dans sa vie. Et vient à sa mort. Beaucoup de disciples de Jésus-Christ ont bien commencé, mais ils ont mal terminé. Parce que le diable a semé de livrer dans la vie. Alléluia. Mais ce ne sera pas ainsi pour toi. Ce ne sera pas ainsi pour toi. Amen. Alors tu vas prier. Tu vas dire tout ce que l'ennemi a semé dans ma vie. Alors nous ne pouvons pas demain quand on le bénit. Qu'il soit déraciné ce soir même. Qu'il soit déraciné de ton cœur. Prie. Thank you.
Amen. Amen. La Bible dit que l'Éternel ne nous a pas réservé des projets de malheur, mais des projets de paix. Et quand on prend les chrétiens, 90% de chrétiens, la majorité, c'est eux qui ont les plus graves problèmes de l'homme. Des maladies incurables. Des situations qu'on ne comprend pas. Toujours c'est les mêmes choses. Bon, c'est toujours les chrétiens. Et le Seigneur te dit à, mon combat, à toi et à moi, à partir d'aujourd'hui, que tu dois savoir que ton Dieu, le Dieu que nous servons, n'a pas réservé pour toi des projets de mal. Peut-être à l'école, c'est toujours toi qui es toujours dernier. Le Seigneur te dit, il n'a pas réservé cette vie là pour toi. C'est un projet de paix, il a réservé pour toi. Amen. Amen. Alors tu vas prier. Et tu vas réclamer maintenant. En abiançon, pour ce projet de malheur. Pour le projet de malheur. Qui sont en train de prendre feu dans ta vie. Quand tu vas à gauche, c'est échec. Quand tu vas à droite, c'est échec. Aujourd'hui même, que le marteau de Saint-Esprit maintenant détruise ces projets. Que le marteau de Saint-Esprit maintenant détruise ces montagnes de projets. Prie ainsi, prie. Oh Seigneur, je prie maintenant. Seigneur, les projets de malheur. Hold on. Les projets de malheur que l'ennemi a suivi. Que l'ennemi a suivi. Tito, t'as y'en a quand on est coupé. Que le marteau de Saint-Esprit maintenant. Que ces projets Prise ces projets. Pour le groupe de Janaï de Bazan, pour le Bazan, Maltozizan, Joe Maltoua, et un de Bazan, tout le monde à Yaka. À la titre de la peau, ni Chahine, mais deux, pour la peau, une diaza à la peau, n'a ma tante son nom, ni pas pour la peau, qui te l'a passé la peau, ni les gouttes de Jésus, si vous comme vous l'avez. Alléluia. Tu vas faire cette dernière requête encore. En sort de goé. Le Seigneur Jésus-Christ a dit. Au coin Jésus-Christ de l'or. Qu'il est venu. Et wa. Pas pour les justes. Na emaina de dans les. Il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants. Et ma wana meto kanjé. Mais il est venu pour les malades. Ame wana meto a son jelé. Les pécheurs. Mais de yin yin a de dans les. Il y a telle chose que tu n'arrives pas à abandonner. Nous dit à ma peu de bonjour. Jésus-Christ est là pour toi. Jésus ton fils oui. Il y a telle situation. Il arrive toujours. Ben non tu dois pas pour. Jésus-Christ dit qu'il est venu pour toi. Jésus wa na yé. Alléluia. Amen. Aujourd'hui tu vas encore élever la voix. Ouais sans cesse braga ouais. Seigneur, sauve-moi du péché. Seigneur, délivre-moi du péché. Prie ici dans le nom de Jésus. Prie. Demande-lui qu'il te délivre du péché. La Bible dit que si tu as seulement un seul péché, tu ne peux pas voir sa face. Tu ne peux pas entrer dans son royaume. Il n'y a pas de péché mignon. Il n'y a pas de péché. Celui qui est délivré pourra entrer dans le royaume. Aujourd'hui, Jésus-Christ veut te sauver. Demande-lui de te délivrer des péchés. Des péchés qui condamnent ton âme. Demande-lui la délivrance. Élève la voix. Demande-lui, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Je n'arrive pas à abandonner. Sauve-moi. Prie. Jésus Christ, vous nous coûtez comme un temps. Maman, nous coûtez jamais. T'as un temps d'arrondir. Bon, on a Jésus Christ. N'a pas eu de temps.
Les chaînes maintenant te condamnent encore. Soit le Seigneur est venu pour te libérer. Soit le Seigneur est venu délivrer les captifs. Demande que ces chaînes soient brisées. Brise-les. Demande que le feu déborde en toi. Que tu sois un feu de boisson, que le feu déborde. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alors nous allons entrer dans un petit moment de louange. Nous allons demander au chant de nous conduire dans une ou deux chansons. Et nous allons passer. Alléluia. Amen. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Que le roi soit loué dans la vérité. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Oh, la vérité.
Emmanuel soit loué. Que le roi soit loué. Emmanuel soit loué. De la vérité, assonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh là, de la victoire, et de la vérité, assonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Oh la vérité, Emmanuel soit loué. Et de la vérité, a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Elle est ici, il y a la victoire partout, les enfants de Dieu s'assemblent. La gloire de l'Éternel est ici, oh je la vois. La gloire de l'Éternel est ici, alléluia. Il y a la victoire partout, où les enfants de Dieu s'assemblent. La gloire de l'Éternel est ici. Il y a un nom qui vient du ciel, et ce nom-là qui nous reste. Il y a un nom qui vient du ciel, et ce nom-là qui nous reste. Ce nom, c'est Jésus, qui nous donne la vie. Ce nom, c'est Jésus, qui nous donne la vie. Ce nom, c'est Jésus, qui nous donne la vie. Ce nom, c'est Jésus, qui nous donne la vie. Il y a un nom, qui vient du ciel. Le Seigneur là qui nous reste. Il y a un nom qui vient du ciel. Le Seigneur là qui nous guérit. Ce nom c'est Jésus qui nous donne la vie. Ce nom c'est Jésus qui nous donne la vie. Ce nom c'est Jésus qui nous donne la vie. Ce nom c'est Jésus qui nous donne la vie. Ce nom c'est Jésus, ce nom c'est Jésus, qui nous donne la vie. Ce nom c'est Jésus, qui nous donne la vie. Ce nom c'est Jésus, qui nous donne la vie. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre nous pouvons louer si ce n'est pas toi? Et nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre nous pouvons louer si ce n'est pas toi? Qui soit loué, qui soit loué, Jésus, qui soit loué, qui soit loué, le roi des rois, qui soit loué, qui soit loué, Jésus, qui soit loué, qui soit loué, le roi des rois, louons Jésus, louons le roi des rois, louons Jésus, louons le roi des rois. Qui est Dieu? Qui d'autre nous pouvons louer si ce n'est pas toi? Qui soit loué, qui soit loué, Jésus, qui soit loué. Qui soit loué, le roi des rois, qui soit loué, qui soit loué, Jésus, qui soit loué, qui soit loué, le roi des rois, louons Jésus, louons le roi des rois, louons Jésus, louons le roi des rois. Tu es
Dieu, qui d'autre nous pouvons louer si ce n'est pas toi, qui soit loué, qui soit loué, Jésus, qui soit loué, qui soit loué, le roi des rois, qui soit loué, qui soit loué, Jésus, qui soit loué, qui soit loué, le roi des rois, Jésus a ressuscité, 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 le Seigneur est vivant, vraiment il est vivant, il a vaincu la mort, la mort est un petit, il a plus de pouvoir, oh victoire, oh victoire, Jésus a ressuscité, Jésus a ressuscité. Jésus a ressuscité, 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 le Seigneur est vivant, vraiment il est vivant, il a vécu la mort est un petit, il n'a plus de pouvoir, oh victoire, Jésus a ressuscité, 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 le Seigneur est vivant, car il est vivant, il a vaincu la mort, la mort est un petit, il n'a plus de pouvoir, et toi, l'amour.
libéré. La paix. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la paix. Jésus m'a libéré. Yeah.
Jésus. 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 Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit en haut là-bas. Mon nom est écrit en haut là-bas. Je n'ai même pas payé quelque chose, mais mon nom est écrit en haut là-bas. Mon nom est écrit en haut là-bas. Mon nom est écrit en haut là-bas. Alléluia. Il est bon de louer Jésus. Alléluia. Il est bon de louer Jésus. Alléluia. Il est bon de louer Jésus. Alléluia.
Jesus.
Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous les acclamations au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons Jésus-Christ. Nous allons accueillir le Seigneur. Il a mis ton maître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On appelle ça la restauration. On appelle ça l'élévation. On appelle ça la justice. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Qu'est-ce que tu dis de l'ami? Ça chauffe ici à Copa. Et que vous diffusez à Papa. Ah, Seigneur, vous aussi. Peuple Dieu. Maintenant. Oh, je sens le feu. Je sens la puissance de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu, Maou, quand il veut descendre, il a jeté. Il ne descend pas avec brutalité. Il ne descend pas dans les grandes choses. Il a jeté nous. Alléluia. Amen. Il descend dans la douceur. Et nous jetterons peut-être. Il descend dans les petites choses. Et nous jetterons nous finir les tiens. Et il se cache dans les petites choses. Et nous jetterons nous finir les tiens. Et ces petites choses, c'est vous, c'est moi. Ben, y a pas, mais y a pas, nous. Alléluia. Amen. Donc Dieu est ici. Et bien, la mal pour vous. Jésus-Christ est ici. Jésus-Christ de Dieu. Le trône du Dieu vivant. Est ici. Tu m'as dit que tu es ici. Il est ici, le ciel. Il est ici. Mais nous, il est ici. Bonjour, Jésus. Bonjour, Jésus. Je vous salue, bon demi, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Vraiment, c'est avec beaucoup de joie que je prends le micro. Je prends le peuple de Dieu. Alléluia. Ami, le peuple de Dieu, comme nous disons souvent, c'est un peuple qui longtemps. Même avant que la terre ne soit fondée, Dieu l'a déjà mis à part. Dieu l'a déjà choisi à part. C'est pourquoi on nous appelle les élus. Nous sommes les élus de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es un élu de Dieu. Tu es un élu de Dieu. Amen. Amen. Le feu du réveil. Continue encore de réveiller. Et bien pour me lève votre et je me vais réveiller jusqu'au retour. Et Seigneur Jésus. Et la mission que le Seigneur nous a confiée, spécialement à Papa. C'est de réveiller à Papa. Ouais, ils nous font à Papa. C'est de réveiller ceux qui dorment à Papa. Ouais, ils nous font même pas manger. C'est de ramener tout cela qui s'égare. Mais ben pour toi, le bout, hein. Ceux qui cherchent vraiment la vérité. Mais ton nouveau dit ton nouveau demain. Ceux en qui le Seigneur a mis le sang du salut. Mais demain, mausé au mieux, regarde-le. C'est pour les réveiller. Mal me fouiller. Alléluia, ami. Lorsqu'on veut faire un feu. Au début, le feu n'est pas grand. Ça commence par un petit feu. Et on attise. On attise. Et ça commence par prendre. Ça commence par prendre. Ça commence par prendre. Et tout ce que le feu va trouver, par la puissance du vent, va t'embraser. Et ce vent, c'est le Saint-Esprit. Et le feu que nous voulons allumer, c'est le feu de la sainte doctrine, au mieux point de droit, c'est le feu de la réponse.
repentance. C'est le fruit du retour de Jésus. C'est pourquoi la prophétie Jésus revient est une réalité. Quand on dit que Jésus revient, c'est une prophétie. Et la prophétie va s'accomplir. Et nous sommes convaincus que la prophétie tend vers son accomplissement. Parce que les signes de l'accomplissement de la prophétie sont déjà là. C'est pourquoi le Seigneur nous demande chaque fois où est Zombo Jésus Christ. Veillez et priez sans cesse. Pendant que le monde est en train de se distraire. Parce que je sais que c'est vendredi. Je sais que dans le monde, la vendredi, c'est un jour de. On va en boîte de nuit. À l'église de Satan. Aujourd'hui, ce temps que nous accordions à Satan, nous allons le l'accorder au roi de gloire. Amen. Donc, il nous a dit de lui offrir notre corps comme de sacrifice vivant et agréable. C'est pourquoi quand vous verrez la cellule, oubliez qui vous êtes. Alléluia. Amen. Oubliez quel est votre statut. Nous devons tu peux venir en cravate. Tu peux venir en tenue sortie d'usine. Mais quand il s'agit de louer le vrai Dieu, ce que tu as porté là, tu vas prendre une roue du Seigneur. Tu vas rouler par terre pour le roi de gloire. C'est ce que le roi David a fait. Que le Seigneur vous bénisse. Le petit message que je vais donner avant l'homme de Dieu, l'évangéliste, c'est un message d'encouragement. C'est un message de persévérance. Quand nous parlons de persévérance, nous parlons d'encouragement. Alléluia. Nous parlons des moments que vous traversez. Nous parlons des situations que vous vivez. Vous devez persévérer. Parce que derrière chaque situation se cache la main de Dieu. Derrière chaque situation se cache la gloire de Dieu. Derrière ta maladie, je trouve la guérison. Qui est-ce qui comprend ça? Derrière ta maladie, là, il y a la guérison. Derrière le chômage, là, il y a une élévation. Derrière les tristesses, là, il y a la joie. C'est pourquoi le Seigneur dit de le regarder à lui. Ne regardez pas la situation. Ne regardez pas le problème. Regardez à Jésus. Jésus, c'est la joie. Jésus, c'est l'élévation. Et c'est dans ça qui va tirer sa gloire. Alléluia. Amen. Pour qui est résurrection, il faut quoi? Il faut qu'il y ait quoi? La mort. Donc arrêtez la vie était cachée dans la mort. La lumière est sortie des ténèbres. Est-ce que vous savez ça? La lumière est sortie des ténèbres. La lumière est quoi? La vie des hommes. C'est le cas. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et avant que l'esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Avant, il a dit qu'il y avait du chaos. Il y avait du désordre. Il y avait de l'eau sous toute la création. Mais l'esprit de Dieu en haut. L'esprit de contrôler le désordre. Tu dis quoi? L'esprit de Dieu contrôle. Contrôle ta souffrance. Et au-dessus de ta souffrance. Alléluia. Vous devez savoir sur la le monde. Ça, c'est votre appui. Tu peux venir ici à Gawafi sans rien avoir en poche. Mais tu as le roi des rois. Le grand riche, le grand milliardaire. Mon ami, cette parole doit être de foi. La foi, je vous ai dit, la foi, c'est ça, plus sur les promesses de Dieu.
Alléluia. Amen. S'il n'y a pas de promesse, ni non, dedans il y a pas de foi. Et ma team, ben juste ma team. Alléluia. Amen. Mais la foi est différente de l'espérance. Il nous dit pas nous couvrir pour vous voir. Nous vous voir. L'espérance c'est le futur. Nous couvrons et nous couvrons nous comme la foi c'est maintenant. Juste derrière. Non, tu vois. Si je sens des maladies dans ma chair, et tu peux lui donner toi un seul. Moi, mon esprit me dit, bon, il a quand je suis en bonne santé, à côté de moi, doit me donner toi un ton grand malade. Je dois vivre ça. Dans le monde, mon bras nous parle. Ami, c'est ces choses que vous devez savoir. Vous n'allez pas me lasser. Ne pas lasser. Mais maintenant, tu me dis de continuer à œuvrer. Mais maintenant, nous ne pour la zone. La cellule doit prospérer. Donc, peut-être dans ça, il nous congamons. La cellule doit grandir. Donc, peut-être dans voilà dans congamons. Alléluia, ami. Parce qu'on a de grands programmes. À papa. Je vous dis. À papa, si tu connais. Ceux qui connaissent l'histoire de Cotonou. Il y a mignon autant. Cotonou. C'est vrai que à papa est une zone qui était discutée. Amen. Maintenant, à papa, si tu connais, et il y a mignon. Donc, on va rester à papa. Alléluia. Puisque dans l'histoire, c'était rattaché à Patrono. Papa, Robon, comme un autre. Alléluia. Ami. Mais aujourd'hui, amen. À papa se trouve comme une zone. À papa, on t'a dit. Qui a besoin au fil de la vérité de nous ce n'est pas que à papa ici il n'y a pas d'église. Et maintenant à papa fille à commande fille je vais vous dire la vérité. Alors quoi pour nous je vais vous montrer les études qu'on a fait sur à papa. N'adore rien de quand vous savez encore le monde on donne quoi on a fait des photographies sur les villes. Je l'entame pondo autour pour le on a étudié les religions. Je l'entame pondo si c'est l'a dit il y a des zones où les religions sont concentrées. Dans le littoral, à papa engrange près de 60% des religions. À papa y a parcouru d'arros sous. Alléluia. Amen. De littoral, littoral. Ça veut dire que à chaque 300-500 mètres, il doit avoir un coin d'église, il doit avoir un coin de rassemblement. Et bien là, il a fait une lieu d'adoration. Il a fait une couillère, le coup de l'homme. Les gens ont soif de la vérité. Et bien là, mais là, ton nouveau dit, les gens cherchent vraiment nous Dieu. Bon, Maudi. Mais le Dieu qu'ils ont trouvé n'est pas le vrai. Bon, Maudi, mais là, nous avons mis Maud. Bon, nous, on doit le faire rêver le vrai Dieu. C'est pourquoi la cellule qui est ici. Ouais, non, plein, c'est comme un feu. Et t'as dit, qui doit monter. Et les gens vont voir de loin. Ils vont venir. Benawa. Alléluia. Ami. Ils vont faire comme ça, marche. Qui dit, nous avons vu l'étoile. Mais là, quelqu'un, on voulait vous mettre temps. Tellement l'étoile brille. Dans son c'est ça seulement. Et ils ont quitté le lit. Ils ont fait des jours, des semaines de route. J'ai passé au et ils voient toujours l'étoile brillante. Jusqu'au lieu où l'étoile brillante a vu que c'était un roi qui est dit. Alléluia. Et nous sommes les représentants de ce roi. Bon, là, il y a un peu de temps. Peuple de Dieu, vraiment, soyez fortifiés. C'est très très important que nous devons nous réveiller. Voyez, quand vous êtes venus aujourd'hui, la journée qui vient à partir de demain, tout ce qui s'est passé ce soir, vous allez partager. Vous allez inviter quelqu'un. Viens et voir. Alléluia. Amen. Dans le monde, c'est ce qu'on faisait. Non? Viens voir. Même si c'est une église fausse, on dit viens voir. Et peut-être un agon. C'est comme ça. Donc il faut que le vendredi prochain. Eh ben non. Vendredi déjà. Avant de revenir. On fait une surprise. Parce qu'on n'a pas prévu. Dieu n'a pas prévenu qu'on allait venir. On est venu ici par surprise. On est venu avant l'heure. Pour voir ceux qui viennent à l'heure. Il est retardataire. Toi qui es venu en retard. C'est pas bon. Il y a des gens ne venons pas en retard. Parce que si nous venons en retard, on va mal faire les choses. Amen. Pour que le Seigneur vous fortifie, sachez que votre mission, comme je me rappelle encore, c'est de sauver ceux qui périssent. Vous devez savoir que avant que vous ne vous installiez, le diable rayait déjà. C'est pour dire que les ténèbres rayaient déjà. Avant que l'homme ne soit créé, il y a maintenant les ténèbres. Donc avant qu'on ne vienne ici, si vous continuez, le monde était a déjà érigé son cul. Je suis là, c'est pourquoi
Notre premier combat que nous devons faire, c'est de chasser ces Cananéens qui sont ici. C'est de chasser ces Phéniciens qui sont ici. Parce que si nous ne les chassons pas, on aura toujours des points de retard. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Donc les principautés, on va les déroger. Parce qu'il y a des gens qui veulent venir. Mais à chaque fois qu'il veut prendre la décision de venir, quelque chose se passe. Alléluia. Amen. On va prier pour libérer toutes les âmes qui sont rendues captives. L'enfant qui est ici, qui dit qu'on ne vient pas sur son territoire, nous sommes les fils du Dieu très haut. Et notre mandat, nous sommes comme les huissiers. Alléluia. Les huissiers, là, quand ils viennent là, tu peux être n'importe qui va t'arrêter. Parce qu'il a reçu un ordre, un mandat. Il vient avec les gendarmes. Il vient avec les policiers. Si tu fais erreur, on va te ligoter. Donc, tu précipites qui va résister, on va le ligoter. C'est le premier combat que nous devons mener. Avant pour avoir la paix. Sinon, on va toujours venir à compte-gouttes. Il y a toujours quelque chose qui va se passer à la dernière minute. Donc, on doit nous rêver pour voir le combat spirituel. Mais ce qui dérange le théâtre, c'est la vérité qui est prêchée. Nous dénonçons clair à maintenant. C'est pas la quantité de personnes qui prêchent la vérité. Mais c'est la vérité. Même si c'est une seule personne qui prêche la vérité, Ça dérange. C'est pourquoi nous devons vous lever dans la prière. C'est une seule de prière. C'est lui d'intercession. Quand on prie réellement pour libérer toutes les âmes, pour renverser tous les raisonnements, éliminer en ce lieu, vous allez évangéliser. Vous allez voir que les gens vont vous regarder. Alléluia. Amen. Pas parce que ce que vous dites. Amen. Ne touche pas. Amen. Mais en réalité, il y a une barrière. Il y a une barrière, il y a l'incrédulité, il y a le raisonnement. C'est pourquoi nous devons rendre ce raisonnement. Alléluia. Ça, c'est notre but. C'est pourquoi chaque fois que je viens dans les choses, vous rappelez, c'est la prière. C'est dans le salut qu'on développe une vie de prière pour l'église. Et la deuxième mission, c'est aller évangéliser. Aller libérer. Le voyage, c'est un combat spirituel. Et la fois prochaine, je vous dis, si vous faites voir, les gens vont prendre plus. Parce que les gens ont besoin de Jésus. Gloire à Jésus. Donc voilà quelques recommandations que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur. Partagez avec moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Ami. Alléluia. Ami. C'est faible. Effa. Alléluia. Ami. Jésus! Vraiment, je suis très content de vivre dans notre là. Asseyez-vous ici. Une fois encore, le Seigneur m'a permis de passer, je vous salue. Et notre arrivée ici, c'est pour annoncer. Que vous ne serez plus la même au nom de Jésus. Alléluia. Si vous voulez, prenez des photos de souvenirs. Alléluia. Amen. Alléluia, amen.
le réveil va prendre corps à papa. Et non, mon ami, mon ami, mon ami, le réveil va prendre corps. Va s'imposer à papa. On n'a pas de bouquin aussi, il doit papa. Alléluia, ami. Le temps que vous avez passé au bon même instant dans la précarité au moment, ce temps est révolu. Au bon même instant, Jésus-Christ annonce ce titre-là de nouvelles choses, une de volets qui est sur le point d'être arrivé. Non, c'est pas vrai. Et ça va s'accomplir. Donc, ça, beaucoup parler, je vous fortifie, en tout cas, comme je le fais toujours. Bien que nous ne pas ce sont. Et chaque fois, je vous rappelle que, bon, voilà ce sont nos films là. C'est parce que, quand je regarde derrière, je ne sais plus où aller. Ma soeur, on a fait des dix. Si je regarde derrière, je vois qu'il n'y a nulle part que je pourrais encore aller. C'est pour ça que je regarde devant avec Jésus. Et j'avance. Alléluia. Où a-t-on goûté toi? Si tu regardes derrière. Bah, mais de nous des maçons pour. Et tu vois qu'il n'y a rien encore derrière toi. Nous des maçons pour goûter nous. Il n'y a plus rien encore derrière toi. À quoi nous quoi? Tu regardes devant. Pour aller nous quoi? Et tu regardes devant. Alléluia. Amen. Nous me regardons nous alors. Si quelqu'un te dit, ah ouais, que tu es perdu. T'as qu'à aller de rosé. Tant que la voix que tu as prise, ailleurs pas nous convertons. La voix est encore tout droit devant toi. Appelle-le. Et tu continues de marcher. Vas-y. Nous nous convertons. Où allez-vous? Si tu retournes, il y en a ciao. Ils vont te fatiguer. Où allez-vous? Si tu retournes, il y en a voué. Ils vont te dévorer. Où allez-vous? Si tu retournes, il y en a bakoukoukou. Ils vont te croquer. Je te dis la vie, mon père de la vérité. Aïe, de ma Jésus, le monde qui n'a pas Jésus, il est au taille la caméra. Ils sont sous la malédiction. C'est quoi, on va faire au groupe de bien de la vie. Ça me vient ici, le fond de la bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monde n'a plus d'espoir. Ah, il rend mon sœur nous couler de bas. Il n'a plus aucun espoir. Mon sœur nous couler de tout bas. Et Jésus a créé l'espoir pour nous. Jésus a nous couler de Dieu. Et avec lui, bon Jésus d'Ali, notre espoir est grand. Nous couler de ton clou. Et nous ne vivons pas seulement de l'espoir. Mais nous nous couler de peau. Mais nous vivons dans les faits. À mon minute, nous dit tout le monde. Alléluia. Amen. Je vous dis, chaque jour, donc, je me vois autrement. Je me vois autrement, je me dis, mais comment Jésus a pu me trouver comme ça? Bon, Jésus-Christ est basique pour mon minute. Qu'est-ce que j'ai fait? Et toi, même qui m'accorde de si grande grâce. Ben, ami, tu me darons. Informez-vous de ceux qui sont dans vos villages. Mais toi, tu vas nous les situations qu'ils vivent. Vous des ça ne va pas. Et maintenant, nous moi, je vais au village. Mais tu vas nous et je m'informe. Bon, mais combien me l'est. Chaque fois que je vais au village, j'apprends qu'il y a un jeune qui est mort. Froidement. Et je leur dis, moi j'ai découvert un secret pour tuer dans la vie. Il a donné un tort de ma vie. Ce secret, c'est Jésus. Oui, Jésus-Christ.
vie avec Jésus. Là, avec Jésus. Mais de manière zéro de tequila, personne ne va t'écraser comme une noix. Je vous dis, nous devons m'aider. Tu es une pierre vivante. À l'aise de ceci, une pierre vivante au cerveau de côté. Ton peuple de Dieu, eh bien, si le tour m'a rester solide maintenant notre église enracinée de bois d'eau en Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, et chaque fois que vous vous retrouvez, mais on ne peut pas en demi-plaît. Donnez-vous des paroles maintenant de réconfort. Quand on a maintenant, pour que ceux qui faiblissent puissent reprendre de force. Il y a plus d'espoir derrière. Il n'y a plus rien derrière. Il n'y a plus rien derrière. Alléluia. Amen. Donc c'est par ces petits mots que je vous salue dans le Seigneur. Pour vous fortifier. Pour votre persévérance. Pour votre attachement. À la vérité, nous bero à la sainte doctrine. Non, point de toi, il est bon. Les gens peuvent se moquer de vous, mais là, c'est quand Tchamiko. Les gens peuvent vous traiter comme ils veulent, mais là, c'est quand Yimiko de l'Indéto. Mais vous, à mon mille, quand vous regardez tout ce que Jésus vous fait, il me bon, nous disons que vous m'assinez à mille, bon. Dites-vous que vous êtes sur le bon chemin. Prenez de force. Les persécutions, tout là, les tribulations, où il y a ça, mais les mépris, mais tout ce que l'ennemi utilise contre vous, sachez que, tout cela prépare votre couronne au ciel. Et les potes à oublier, n'a j'ai pas comme ton nom, c'est pour plus, il est pour ce la persécution et la vie. Ça n'a mêlé où il y a. Didi, n'a Jésus Christ, il est et va tout ce plus. Votre couronne, moi, j'ai pas comme brillante au ciel. Et en fait aussi, c'est pour gamin de c'est pour tout. Je vous le dis en vérité. Nous devons nous yanter. Et à chaque fois, bon, et que ce soit. Rappelez à Jésus ses promesses. Ouais. Mais nous flic parler de rappeler le Jésus ses paroles. Mais nous flic parler au plus haut de la mienne. Souviens-toi au plus haut flic de ta promesse. À te parler nami et souviens-toi de moi. Flic nous sont et il agira. Bon et n'abasi. Peu de Dieu. Tout le monde entend. Tu veux pas beaucoup durer. Moyen parce que ce soir. Bon vous avez dit. Vous avez vu. Nous ne sommes pas venus seuls. Ma wa milaitono. Le Seigneur a permis au Kuno Basi que nous passions la prière de ce soir ensemble. Na mini Basi au derrière avec un serviteur de Dieu qui utilise puissamment. Quand vous suivez sur les écrans, vous le verrez. Alléluia. Ami. Et il est au Sénégal. Bon, et ton son Sénégal depuis hier. Bon, son serpent. Il est avec nous. C'est lui qui conduit le feu pour réveil au million pour fantôme. Au Sénégal, à Dakar. Sénégal tombe dans le Dakar. Et le Seigneur l'utilise puissamment. Et. Depuis hier, il est venu pour passer quelques moments de séjour au Bénin. Et le Seigneur me dit, le feu qu'il allume là-bas, là, il va allumer un peu ici à papa aujourd'hui. Alléluia, ami. Donc, il s'appelle le serviteur, l'apôtre Abraham. Il y a un serviteur, mais c'est donc Abraham. Donc, nous allons l'inviter. Certainement que le Seigneur a mis une parole dans sa bouche pour vous édifier. Alléluia. Amen. Donc,
Donc nous allons acclamer notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillir le Seigneur de Dieu, l'apôtre Abraham, Sénégal. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur si tu es là. Je bénis le Seigneur Jésus pour sa fidélité, son amour. Effectivement, comme le serviteur de Dieu l'a dit, je suis arrivé hier par la grâce de Dieu. Et le Seigneur a facilité ma venue ici. Et j'ai été vraiment chaleureusement accueilli par les serviteurs de Dieu. Acclamez le Seigneur pour leur vie. Amen. Ça prouve que nous sommes vraiment une famille. Et donc, on est venu. Jésus est notre Père. Et il est fidèle. Il n'abandonne pas ses enfants. Il fortifie les faibles. Il solidifie les forts. Pour qu'il continue encore à être forts. Alléluia. Amen. Je suis votre bien-aimé. Le frère Abraham. Mon vie Abraham. Et quand on m'a annoncé que je devais venir ici ce soir, j'étais surpris. Et mais à la fois aussi content. Bon, parce que c'est mon premier contact avec le peuple de Dieu. Amen. Et c'est vrai, l'homme de Dieu a dit qu'il y a un bouillon feu au Sénégal. Mais ce feu là, c'est le Seigneur Jésus. Au milieu de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Jésus Christ est au milieu de Dieu. Et dans toutes les nations, le Seigneur a allumé ce feu. Bon, tout le monde au coin est au milieu de Dieu. Et comme vous le voyez au travers des écrans, le Seigneur œuvre dans chaque nation. C'est pour cela que nous devons garder espoir. Nous ne devons jamais abandonner le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est une grâce. Tu es ici. N'abandonne jamais Jésus. Dis à ton voisin, n'abandonne pas Jésus. N'abandonne pas Jésus. N'abandonne pas le feu de Jésus. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible avec moi. Alléluia. Amen. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je te bénis pour la grâce que tu m'accordes ce soir. Seigneur, ouvre mes yeux sur ta parole. Saint-Esprit, utilise ton canal pour parler à mon cœur, pour me fortifier, pour me soutenir. Saint-Esprit de Dieu, viens ce soir et conduis-nous par ton esprit. Seigneur, ce moment est à toi. Prends toute la place. Contrôle tout. Domine tout. Gouverne et règne au nom de Jésus. Amen. Amen. Viens avec moi dans le psaume chapitre 124. Quand
temps. Que, après, on va se tenir debout pour la prière. Alléluia. Amen. Minatite. Na ode. Et à Psaume 124. Romain, ça me l'est ton tête quand on connaît. Psaume 124. Oui. Seul l'Éternel qui nous protégea. Au coup, on met vos mains, on a voulu amis. Israël dit. Na Israël est demain. Seul l'Éternel qui nous protégea. N'y est demain, on va mettre vos mains, on a voulu amis. Quand les hommes s'élevèrent contre nous. Il bâtonne les hauts, bâtonne les petits et soit ami. Il nous aurait englouti tout vivant. Il y en a causé mimi. Quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés. Oh, filé n'a qu'on mi bofe mi fei. Les torrents auraient passé sur notre âme. Ton système n'a qu'on boire dans mi ton lajiwai. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Bon, oh, c'est ça pour de temps. Kasa kasa le pour nos amis jeyi. Béni soit l'Éternel. Mi don don ma voix avant. Qui ne nous a pas livré en proie à leur dent. De ma jo mi de adou ton lajiwai. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseaux. Allez, donne ton sang au main. Y est ton la main. Le filet s'est rompu. Et nous nous sommes échappés. Bon, mets ton boy. Notre secours est dans le nom de l'Éternel. Vous n'avez pas mis ton tour, ni comme, ma voix ton main. Qui a fait les cieux et la terre. Débarcis au nom de quoi il va. Amen. Amen. Dis Amen. L'ami. Alléluia. Amen. Le verset 8, notre secours est dans le nom de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Et l'Éternel, c'est notre Seigneur. Bon, la Bible dit au verset 2, sans l'Éternel, quand les hommes s'élèvent, bien-aimés, sans l'Éternel, qui peut nous protéger? Quand les hommes s'élèvent contre nous, qui peut nous protéger? C'est pour cela que tu dois faire de Jésus ton bouclier. Tu dois persévérer dans le Seigneur. Si tu quittes le Seigneur, tu n'auras personne d'autre pour te protéger. Le verset 3, il nous aurait englouti tout vivant. Quand leur colère s'enflamma contre nous, et chaque jour, chaque nuit, nombreux sont-ils qui s'enflamment contre toi. Mais s'il n'y avait pas Jésus, ils allaient t'engloutir. C'est pour cela que tu dois persévérer. Alléluia. Amen. Alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Ça c'est pour celui qui n'a pas l'Éternel. Pour celui qui a l'Éternel et à un moment donné l'abandonne. C'est pour cela toi et moi. Dis à ton frère, toi et moi, nous devons demeurer en Jésus. Nous devons persévérer. Quand les eaux, les torrents vont se lever, l'Éternel sera notre bouclier. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel. Qui ne nous a pas livré en proie à leur dent. Sache qu'ils sont nombreux. Ceux-là qui ont des dents agitées contre toi. Et chaque nuit, chaque matin, ils se lèvent contre toi. Si tu n'avais pas l'Éternel, ils vont te broyer. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau, du filet des oiseaux. Le filet s'est rompu. Et nous nous sommes échappés. Alléluia. Amen. Le filet s'est rompu. Et nous nous sommes échappés. Autrefois, tu étais dans la captivité. Et si ce soir, tu es dans une certaine captivité, tu vas les échapper au nom de Jésus. Tu vas les échapper au nom de Jésus. Le filet qui retient la cellule de la papa. Ce filet se réveille au nom de Jésus. Tout dent qui s'agite contre la cellule de la papa, ces dents seront broyées au nom de Jésus. Il y est propre au nom de Jésus. 8 pour dire notre secours.
est dans le nom de l'Éternel. Et pour comme qui a fait les cieux et la terre. Et quand on dit notre secours, c'est qu'on l'appelle. Quand tu appelles l'Éternel, il descend. Quand tu appelles l'Éternel, par la prière de foi, la prière d'autorité, le secours descend. Car c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Notre secours est dans le nom de l'Éternel. Et ce nom nous a été révélé. Ce nom, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est comme cela la Bible dit. Tout ce que nous allons demander en son nom, il va nous l'accorder. Et ce soir, tu vas te lever avec moi. Nous allons invoquer le secours de l'Éternel. Nous allons invoquer le nom de l'Éternel. Nous allons invoquer son secours, son appui. Sur les différents paramètres. Qui peut faire obstacle. Ou aux frères et sœurs de cette cellule. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est prêt pour prier? Demande à ton voisin. Tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour prier? Alléluia. Amen. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons sa puissance. Nous avons son pouvoir. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons sa puissance. Nous avons son pouvoir. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons sa puissance. Nous avons son pouvoir. Chante alléluia. 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 Chante alléluia. 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 Chante alléluia. 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 Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons sa puissance. Nous avons son pouvoir. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons sa puissance. Nous avons son pouvoir. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons sa puissance. Nous avons son pouvoir. Alléluia. 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 Il est le feu, il est le feu, il est le feu, il est le feu, il est le feu.
La Bible déclare, nous les enfants de Dieu, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Amen. Pendant que tu pries, n'ouvre pas les yeux. Sois concentré. C'est un travail spirituel. Sois concentré. Alléluia. Amen. Ne tourne pas tes yeux à gauche. Prie avec zèle. Ouvre ta bouche pour prier. La prière dégage de la puissance. Lorsqu'elle est faite avec foi. Alléluia. Amen.
tu vas lever ta main droite vers le ciel. Anze alote adosibaga. Tu vas dire Père. Ando otoy. Père. Otoy. Au nom de Jésus, sous ton Dieu sous ton main, ta parole déclare. Au retour de l'heure, si deux, il en met oui, dans tes enfants, bon plutôt les mains, s'assemble sur la terre, de Aïbadi. Pour te demander une chose quelconque, tu leur accordes cela. Seigneur, voici ton peuple qui élève ce soir la voix vers toi, selon qu'il est écrit dans le psaume 124, votre secours. Vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Père, 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 au nom de Jésus, ce soir, fais descendre ton armée céleste. Fais descendre tes anges guerriers. Envoie-les en grand nombre pour combattre en notre faveur. Seigneur, répands-les en ces lieux. Répands-les à papa. Répands-les dans tous les domaines où nous avons besoin de ton secours. Alors, votre Dieu, Seigneur, faites descendre au nom de Jésus. Des anges, mobilise-les, répands-les en ces lieux au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, ta parole déclare que tu as dépouillé les autorités, les dominations, tu les as livrées à publiquement, à ton spectacle, en triomphant d'elle, à la croix, à cause de Jésus, toutes les autorités, à satanique, démoniaque, qui s'élèvent contre la cellule, contre la papa, toutes les dominations, toutes les hauteurs, l'enfant de ce quartier, de cette ville, qui s'élève contre la cellule, pour la freiner. Seigneur, nous invoquons ton sang, ton sang, ton sang, ton sang, pour les dépouiller, les dépouiller, les dépouiller, Seigneur. Tous les agents à voir les ténèbres, Seigneur, toutes les œuvres à voir les ténèbres qui s'élèvent contre la cellule, pour la freiner, Seigneur Jésus, par ton sang, nous les détruisons, nous les renversons, Seigneur, toutes les voix. Toutes les voix qui crient contre la cellule par le sang de Jésus. Nous les balayons. Au nom de Jésus, Seigneur, toutes les hauteurs, les murailles, qui s'élèvent, pour faire blocage, à la cellule, Seigneur, je saisis ce soir le marteau plus lourd à cause du ciel. Je brise le marteau du Saint-Esprit. Je brise le marteau.
Toute barrière, 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 toute barrière
Père, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la parole est la vérité. Et elle déclare dans Psaume 92, verset 11, et tu me donnes, un ami, la force du bouffe. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Père, au nom de Jésus, fais descendre, la force du buffle à combattre. Seigneur, toutes les Goliaths, tous les hommes forts, toutes les hauteurs, Seigneur, tous les occultistes, qui combattre le réveil à papa, Seigneur, fais descendre contre eux la force du buffle. Envoie la force du buffle sous la terre, dans le ciel, dans le spirituel, dans ce quartier, tous les démons mandatés, se réveillent. Ah, papa, Jérémie 16, verset 16. Voici, j'envoie une multitude de pécheurs dans les ténèbres, et ils les pécheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs. Et ils les chasseront. De toutes les montagnes. Et des fonds des rochers. Le Seigneur dit, voici, j'envoie une multitude de pécheurs. Dit l'Éternel. Et ils les pécheront. Et après cela,
J'enverrai une multitude de chasseurs. Et ils les chasseront. De toutes les montagnes. Sont ce que et de toutes les collines sont ce que et les fonds des rochers sont ces pêcheurs et ces chasseurs c'est les guerriers de l'Éternel. Alléluia. Avant tout temps, nous avons demandé au Seigneur de le faire descendre dans ce quartier. Toutes les âmes qui sont liées sous la mer. On va demander au Seigneur d'envoyer ces pêcheurs. Mais afin de les pêcher. Les amener dans la maison de Jésus. Alléluia. Amen. On va demander aussi au Seigneur d'envoyer ces chasseurs. Afin que tout ce qui combatte les âmes dans ce quartier, que l'Éternel envoie contre eux, les chasseurs, afin de les chasser. Pour que les âmes dans ce quartier écoutent l'Évangile et viennent à Jésus. Tu as compris la requête. Nous allons commencer ensemble et après on va lancer. Alléluia. Tu vas dire Père. Père. Au nom de Jésus. Ta parole est la vérité. Et tu déclares. Voici. J'envoie une multitude de pécheurs. Dis l'Éternel. Et ils les pécheront. Et après cela. J'enverrai une multitude de chasseurs et ils les chasseront de toutes les montagnes et de toutes les collines et des fentes des rochers. Seigneur, tu es la vérité. J'ai lu dans ta parole que tu es le pécheur. Seigneur Jésus, en ton nom, je te demande, fais-les descendre. Dans ce quartier. Seigneur Jésus, tu as des brebis dans ce quartier qui sont liés sous la mer, qui sont attachés dans le monde. Les ténèbres. Seigneur Jésus, fais descendre en grand nombre des pécheurs. Des pécheurs. Avec leur âme son. Avec leur âme son. Avec leur âme son. Seigneur Jésus, envoie-les. Envoie-les. En tout lieu. Tous les âmes dans ce quartier sont liées. Pour les péchés. Pour les chasser.
Seigneur, envoie tes chasseurs. Envoie-les, Seigneur Jésus-Christ. Pour chasser tout ce qui combat ton église. Pour chasser tout ce qui combat tes enfants. Et puis pour les. Deux pédotas sont à couper. Puis pour les. Alléluia. Au nom de Jésus, pour une fois, Dieu sous ton main. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons invoquer le sang de Jésus en abondance ensemble. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus est l'âme fatale. Tu vas dire Père. Alors, toi, sois concentré. Tu vas dire Père. Père. Au nom de Jésus. Ta parole déclare. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. À cause de du sang. Au de l'agneau. Seigneur Jésus, j'invoque ton sang. J'invoque ton sang. Enseigne. J'invoque ton sang. Enseigne. Seigneur Jésus, j'invoque cette cellule. Le naisse. L'ennemi avait déjà semé sous la terre la fondation satanique, démoniaque. J'invoque. Ton sang en abondance, enseigne pour renverser, pour détruire toutes les fondations que l'ennemi a érigées. Enseigne, Seigneur, fais couler le ton sang, le sang, le sang, Seigneur, fais couler ton sang. Seigneur, fais couler ton sang. Le diable a érigé sous cette terre. Enseigne. Seigneur Jésus, Dieu a coulé ton sang. Seigneur, ton sang. Répands en abondance ton sang, Seigneur. Amen. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu Amen. Vas ouvrir tes deux mains. Mais on a un mois le tabouret. Alléluia. La Bible déclare que par le sang, comment il a racheté de multitudes de nations. Lors d'aller et vous voulez tomber au bout de la Bible déclare que sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon du péché. La Bible déclare comment on adore que l'âme est dans le sang. Donc, allez dans, et la vie est dans l'âme. Bon, au père, toi, allez dans même. Donc la vie est dans le sang. Et bien, au père, il y a un sang qui a été versé il y a très longtemps. Ce sang est particulier. Ce sang est particulier. Parce que
La source de ce sang remonte aux éternités. Remonte aux jours d'éternité. Ce sang existe avant toute création. Et c'est ce sang qui va parler sur ta vie. C'est ce sang qui va couler dans tes fondements, dans tes racines. C'est ce sang qui va alimenter la racine de ta vie. Les fils de prophètes pouvaient dire, les fils des prophètes pouvaient dire, il y a de la mort dans le pain, il y a de la mort dans le pain. Bien-aimé, cette mort se traduit pour certaines personnes la maladie, pour certaines personnes la malchance, le rejet, le mépris, l'amertume, les échecs, les frustrations. Aujourd'hui, je déclare par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je le déclare, Père, par le sang que tu as versé, ce sang qui incarnait ta vie, ce sang qui incarnait ta puissance, ce sang qui nous rachète, ce sang qui nous sauve, qui nous purifie. Maintenant, dit que ce sang commence par opérer dans la vie. Le sang de la vie commence par opérer en toi. Commence par opérer en toi. Le sang de la vie. Le sang de Jésus. Le sang pur. Le sang qui guérit. Le sang qui libère. Maintenant en toi. 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 Ce sang qui a la vie pénètre. Oh, le sang de la vie est en train de faire quelque chose. Ce sang est en train de faire quelque chose. Au moins, ton nez basse. La vie déclare comment ton nez basse. Par ces blessures. Quand il y a la blessure, il y a le sang qui jaillit. Oh, souviens-toi. Oh, cette lance qui a percé le corps de Jésus. C'est sur toi que ce sang jaillit. Ce sang jaillit sur toi. Enlève la malédiction. 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 En présent le sang de Jésus. Enlève le propre de ta vie. Enlève le propre de ta vie. Enlève le propre de ta vie. Enlève le propre temps de le sang de Jésus de là, le sang de Jésus de là, le sang de Jésus de là, le sang de Jésus. Enlève cette mauvaise odeur de ta vie. Oh, le sang de Jésus en train de laver quelqu'un. Tu es sorti ton mêlé là, oui. Il est en train de laver quelqu'un. Et ton mêlé là, oui. Bien aimé, c'est toi. Mais oui, non. Laisse-toi. Tu es venu. Laisse-toi, les anges sont là. Tu es venu donc. Laisse-toi sentir comme si quelqu'un était de verser de l'eau sur toi. Elle a taillé de mêlé ton ciné qu'on lui dit. Tu vas sentir un liquide. Tu vas sentir quelque chose qui est en train de descendre de ta tête. Elle a taillé au ciné donc qui consomme ta tête. Oh, bien aimé, le Seigneur est en train de faire quelque chose dans ta vie. Au coup, on est basé le présent. Père éternel. Au coup, oui, maman. Père éternel. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Il y a le précieux sang de Jésus. Manifeste sa puissance. Manifeste sa puissance. Que le sang de Jésus. Non, brise la jungle. Ni brise la jungle. Ni basse. 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 Le sang de Jésus-Christ. Aujourd'hui, aujourd'hui efface toute réclamation sur ta vie. Les réclamations familiales à cause des alliances de tes parents. Les esprits de famille te réclament dans l'iniquité. Te réclament
dans le péché, te réclame dans les mauvaises choses. Aujourd'hui, selon la parole de Dieu, verset 28, déclare, il vous a racheté. Au prix de son sang, aujourd'hui tu as racheté, le sang de Jésus, tu as racheté des malédictions, aujourd'hui, le sang de Jésus te connaître. Te connaître à la bénédiction d'Abraham, à l'instant même, tout ce que tu as perdu aujourd'hui, parce que le sang de Jésus fait de toi fille et fils d'Abraham. Aujourd'hui, la bénédiction d'Abraham te restaure. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour tes enfants. J'ai déclaré sur eux qu'ils seront toujours la tête et jamais la queue. Père éternel, je déclare que ces paroles prennent corps de mon père. À l'instant, petit dit, Seigneur Jésus, au cours de cette cellule. Les portes des ténèbres qui sont élevées de titre sur cette cellule et qui empêchent les prépits d'y entrer. Père éternel, par ta puissance, établis les gardiens en chapelet maintenant. Envoie un commando d'ange. C'est au grand commando d'ange. En ce lieu, et toute brebis qui va venir ici avec une situation. Je prie qu'elle reparte avec la solution. Que cette terre est une terre de bénédiction. Je déclare par le nom de Jésus que cette terre est une terre de bénédiction. Père de ce lieu, écoute-moi. Je viens au nom de Jésus-Christ. Je viens au nom de Dieu Tout-Puissant. Je viens au nom de celui qui t'a créé. Et je parle en son nom. Et je te parle. Tu libères toutes les bonnes choses, toutes les grâces dans la vie des enfants, dans la vie de tous ceux qui sont ici. Père d'ici, toutes choses que tu as reçues, toutes les enfants de Dieu, à l'instant de ton cœur, tu sors le feu et tu la consumes, et tu la consumes, et tu la consumes, tout ce que tu as reçu comme sacrifice.
Tous les sacrifices que tu as reçus depuis des années, depuis des siècles, et qui parlent, aujourd'hui, je viens avec l'autel, l'autel authentique, la croix de Jésus. Je procède toi en ce lieu, je procède toi en ce lieu, dans le sang de Jésus, coule, 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 coule. Détruise, Si je trouvais un seul juste, je paierais cette ville. Seigneur Jésus, accorde ton église, accorde tes enfants, accorde des élus. Seigneur Jésus, protège ce quartier, comme tous les malades de ce quartier. Et je prie qu'il soit guéri. Il reçoit la guérison. Depuis la maison. Que ce quartier soit appelé le quartier de la paix. Comme Jérusalem est la ville du roi. Je déclare que ce lieu soit appelé la maison du roi. Je te dis merci. Conduis-nous, Seigneur Jésus, à rester dans la sainteté. Le chemin, quel que soit ce que nous allons rencontrer, Seigneur, que la foi inébranlable n'existe pas, soit notre mode de vie. Papa, je te prie, autant fais de ceci des rochers. Fais de des rochers solides. Fais de des rochers solides. Toute personne qui va se lever pour les combattre, Seigneur, nous ne peut frapper le rocher. Nous ne peut frapper le moteur avec ses pieds. Il va se blesser, Seigneur. Il va se blesser, Seigneur. Quiconque va se lever contre ses enfants. Oh, mon Dieu, roi. Qu'il soit frappé, toute personne qui va prendre un nom pour aller, Seigneur Jésus, consulter des oracles qui vont prendre leur nom pour aller dans la mer, qui vont prendre leur nom pour aller dans la forêt, pour aller leur nom pour aller réduire des sorciers. Aujourd'hui, Seigneur, que leur nom, qu'ils vont prononcer, que le Satan de l'éternel passe en temps de la foi. Maman, papa, je te dis, aujourd'hui, autant parce que tu l'as déjà fait. Tu es fidèle. Reçois la gloire. 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 Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour la grâce que tu nous as accordée. Nous nous sommes rassemblés dans ta présence et nous avons reçu de ta grâce. Et nous savons que notre retour de ce soir est béni encore. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as encore bénis de ta parole. Seigneur, nous te disons merci parce que ton esprit nous a encore équipés. Père, que ton nom soit béni. Merci pour les délivrances de ce soir. Merci pour les bénédictions que tu nous as accordées. Merci pour les vérités que tu nous as révélées. Papa, que ton nom soit béni. Merci Seigneur Jésus, parce que tu nous as conduits du début jusqu'à la fin. Alors à présent, nous te disons merci Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Reçois toute la gloire Seigneur Jésus. Papa, reçois toute la gloire. Voilà Seigneur, le moment est venu et nous voulons nous disperser physiquement. Mais Seigneur, spirituellement, garde-nous unis à toi Seigneur Jésus. Garde-nous attachés à ta sainte doctrine Seigneur Jésus. Aide-nous à ne jamais abandonner la sanctification, Seigneur. Aide-nous à rester ferme dans la sainte doctrine, à rester ferme dans la vérité, Seigneur Jésus.
Seigneur, que aucune séduction de ce monde ne nous emporte, Seigneur Jésus. Garde-nous fermes, Seigneur Jésus. Tu es notre secours. C'est en ton nom que nous trouvons le secours. Alors, Seigneur Jésus, garde-nous fermes, attachés à toi, Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous aides aussi. Pour le retour, Seigneur, veille sur chacun de nous, Seigneur. Veille sur les moyens de déplacement, Seigneur. Quand nous reviendrons, chacun ira dans sa maison, Seigneur. Que la joie augmente encore plus que jamais au nom de Jésus. Papa, accorde-nous la grâce pour les prochaines fois d'être encore régulier ici dans ta présence, Seigneur Jésus. Parce qu'un jour dans ta présence vaut mieux que mille ailleurs, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous aides aussi. Que ton nom soit béni. À toi seul, Jésus-Christ, la gloire. Au nom de Jésus. Amen.